Quindi le chiediamo questo, quali sono oggi le problematiche che lei tratta maggiormente nel suo studio? Au fond, vous savez, c'est ce que Freud disait, hein, déjà, avec une simplicité, une trivialité, comme sont nos vies, aimer d'un côté, travailler de l'autre. Donc les gens viennent avec des problèmes qui se déploient, soit dans leur difficulté à établir des liens amoureux qui leur conviennent, soit à établir une activité professionnelle qui elle aussi les satisfont, ou les satisfasse, pardon. Alors, ça c'est le cadre général. Et évidemment, ils viennent avec des symptômes particuliers qui sont plus marqués par l'époque. Esatto. Alors, l'addiction est une part importante de la demande. La dépression, parce que les gens utilisent le vocabulaire du discours courant pour parler de ce qui ne va pas pour eux. Je suis déprimé, j'y arrive plus, j'ai un burn-out, je suis addict. Au fond, en ce moment, c'est soit l'addiction qui est plus du côté qui parle plus du rapport à l'objet, soit la dépression qui aussi parle du rapport à l'objet, ou tout ce qui est de l'ordre de l'angoisse, d'une part, et donc tous les comportements, toutes les crises d'angoisse, les paniques attaques. À part ça, les gens se plaignent aussi, viennent se plaindre d'une incapacité à faire, donc sur le versant de l'inhibition. Donc il y a des demandes du côté du symptôme, addictif, dépressif, essentiellement. Et puis il y a des demandes du côté de l'angoisse, beaucoup. On vit une période qui favorise l'angoisse. On vit une Ma période. ci sono invece sintomi che sfuggono all'osservazione, al trattamento di un analista? E perché? A chi si rivolgono queste persone che magari non vengono a trovare un analista oggi, in questa epoca? Si c'est très grave, il se retrouve à l'hôpital. Et sinon, c'est soigné en famille. D'accord. Ils vont voir un médecin de famille aussi. Certains vont à l'église. Les curés, la confession, soignent la culpabilité. Ma la Il y psicanalisi. a un développement de la religiosité tout à fait important aujourd'hui. Que Lacan montre corrélatif du développement du discours de la science. Plus le discours de la science pousse vers des combinatoires hors sens, plus on a besoin de sens. Le sens est à la fois ce qui nous est absolument nécessaire et en même temps ce qui est ravageant. Et si on peut oser cette formule, les êtres humains parlants, de quelque sexe qu'ils soient, sont addicts au sens. Il leur faut du sens. Ils sont prêts à tout pour trouver un sens. Ils viennent en analyse pour trouver un sens. Riescono trovandolo questo senso o no? Ils trouvent le sens qu'ils y mettent. Et ils trouvent aussi, s'ils font ce choix éthique, ce choix moral, ils trouvent le réel qui est bien plus utile que le sens.
pour s'orienter dans la vie. Si può dire che la psicoanalisi va bene per tutti o ci sono persone a cui non è proprio consigliata una cura analitica o ci sono condizioni per cui è meglio non incontrare un analista? Je ne sais pas. Moi, je sais que en ce qui me concerne, je ne suis pas très habile avec les grands mélancoliques. J'en ai traité, j'en ai parfois encore. Je trouve que comme ce sont des sujets pour qui la parole n'a pas d'importance, la cure analytique est un dispositif de langage et de parole à des limites. Elle peut venir en appoint d'une médication psychiatrique, mais elle a des limites. Donc, si vous voulez, les limites de la psychanalyse sont les limites de la parole. Ma come si può riconoscere uno psicanalista che sa fare il suo mestiere? Ci sono, come si può capire se si è al posto giusto? C'est une rencontre, hein? Donc où la rencontre se fait, où elle se fait pas. Quindi non c'è qualcosa che ce lo può dire, ci può assicurare la possibilità di andare sul sicuro? Bah, c'est comme un médecin, on ne sait pas s'il va être bon, hein? Ou un avocat, on ne sait pas s'il va gagner, hein? Il a le diplôme, d'accord, il a le diplôme, mais est-ce qu'il est bon? On ne sait pas. Et puis il peut être bon pour tel cas, l'avocat, et mauvais pour tel autre. Et le médecin, c'est pareil. C'est toujours possible des erreurs diagnostiques. Il n'y a pas la sécurité nulle part. Pourquoi il y aurait pour les psychanalystes une sécurité? Tu vas voir un psychanalyste et si tu te laisses aller à ce que tu sens, tu vas sentir si c'est bien pour toi ou pas bien pour toi, puis voilà. Beh, però spesso si crea una dipendenza, no? Si dice con lo psicanalista, per cui è difficile, una volta entrati nel circuito, riconoscere se si è al posto giusto o no. La dépendance, elle se met en place quand elle satisfait le symptôme du sujet. Sinon, il n'y a pas de dépendance. Quindi ci sono, diciamo, se una psicanalisi non funziona. On parle de la dépendance pour un analyste, d'accord, mais on parle pas de la dépendance pour qui? Pour un médecin en qui on a spécialement confiance. Bon, c'est une question de rencontre, d'entente. Et puis voilà, il y a une folie de la sécurité aujourd'hui, de la garantie d'une sécurité. Ben, je suis désolé, la vie humaine. Ça ne correspond pas à la garantie de sécurité. Et sinon, il faut vivre sous une cloche et puis voilà, rencontrer personne. Il faut être autiste, mais tout le monde ne peut pas être autiste.